pardon. Comment vas-tu? Pardon d'avoir éternué, mais c'est juste que je me suis pris tellement de vent par les filles que du coup je me suis enrhumé. Je collectionne tellement les râteaux que je pourrais devenir jardinier. C'est limite si j'ai pas reçu l'Oscar du râteau. Et l'Oscar du râteau le plus humiliant revient à... Like! Bravo! Merci beaucoup. Je voudrais remercier Zoé, Olivia et Chloé sans qui je n'y serais jamais arrivé cette année. Merci les filles, ce trophée est pour vous. Je vous aime de tout mon cœur. Même si c'est pas réciproque. Mais c'est pas grave. Bonne soirée. Ça mérite un top 5 des plus gros vents avec les filles. Numéro 5. Quand tu réussis enfin à obtenir un rendez-vous avec une fille. Salut Lola, ça va? Ça te dirait qu'on aille réviser des cours ensemble parce que genre... franchement, c'est sûr qu'il va y avoir un contrôle. Bah ouais, grave. Ok, est-ce que genre, je sais pas, tu voudrais faire ça par exemple chez moi? Génial. Ok, cool. À toutes. Ouais. Bah, je viens avec toi, du coup. Ouais. Non. Mais bien sûr, ça se passe pas exactement comme prévu. Bon, on a fait le programme de cette année. Ça passe vite, 12 heures. Si on faisait le programme de l'année prochaine... J'adore faire des devoirs. Alors... Et même quand tu mises sur des stratagèmes, mais super simples, eh ben, tu peux quand même te prendre un vent nucléaire. Et c'est mon numéro 4. Salut, Lola. Alors, en fait, cette fois-ci, j'ai une idée. Et si on allait au cinéma? Bah ouais, grave, génial. Attends, je peux choisir le film? Ouais. Et je peux demander à ma copine Emma de venir aussi? Ouais. Bah tiens, bonne nouvelle. Son père nous accompagne. Cool. Et boum, sans le vouloir, tu te retrouves à aller voir un film romantique suédois. Trop mignon. Et comme t'es hyper chanceux, bah t'es assis à côté du père de la copine. À l'autre bout de la fille que t'aimes bien. Numéro 3, le lapin. Mais non, pas le lapin, lapin. C'est quand tu donnes rendez-vous à une fille, tu t'es fait super beau, tu t'es même lavé les dents, et la fille ne vient pas. Et l'Oscar du meilleur râteau lapin revient à... C'est encore lui, le mérite, like. Merci, merci beaucoup. Je m'y attendais pas du tout, enfin c'est un petit peu quand même. Merci Leïla, tout particulièrement pour ce lapin. Voilà, je pense que j'aurais jamais réussi sans ton ignorance envers moi. Merci, bonne soirée à tous, au revoir. Numéro 2, quand tu veux bien faire les choses et que tu lui offres un cadeau. Tu as mis toutes tes économies. Salut Lola, ça va? Ouais, toi? Ouais, c'est juste en fait, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est génial, c'est un chèque cadeau. Ça te fait plaisir? Mais grave. En plus, ça te tombe bien, c'est l'anniversaire de mon copain. Chérie, viens. Regarde. On va pouvoir t'acheter ton blouson. Trop cool. Merci, mec. Merci. On y va? Ouais. Merci. Et enfin, le numéro 1 pour moi des pires vents, c'est le vent digital. Parce qu'il est froid. Parce qu'il est dur. Parce qu'il est cruel. Surtout quand tu passes 3 heures pour écrire ton SMS. Hello Lola, voilà, j'ai longuement réfléchi. J'aimerais t'aimer toute ma vie. Lol, qui êtes-vous? Bah, c'est Like. Je connais pas. On est à côté en classe. On a fait un exposé ensemble le mois dernier. On vient te chercher avec mon père tous les matins pour aller jusqu'à l'école en voiture. Ah ouais. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce top 5. On se retrouve super bien. Excuse-moi, ça te dirait d'aller au cinéma? Ah mais carrément un cinéma, et ça c'est une bête idée. Tu sais quoi, je vais aller au cinéma. Après je te rappelle et je te tiens au courant, ok? Cool, merci, bisous. De rien. Merci, merci beaucoup pour ce râteau d'or. Et si vous voulez savoir d'où est venue l'idée de ce top 5, ne ratez pas ma série télé Like Me, seulement sur Disney XD. Moi c'est Like, ratez pas ma série sur Disney XD, Like Me. Je compte sur vous.